Et bonjour à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Project Zomboid avec Maud qui se porte très très bien. Maud, 80 kilos stable, donc ça c'est nickel. 7282 zombies, aussi c'est nickel, bientôt les 10 000. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est faire ce fameux mur là extérieur pour pouvoir l'enduire. Ensuite, faire celui-ci. Ici, je ferai bien une petite fenêtre. Pas de corde de drap. Mais ici, en revanche, une fenêtre avec une corde de drap, je pense. Je sais pas vraiment ce qu'on va faire ici encore. On verra par la suite, peut-être un petit coin infirmerie. Parce que j'ai mis tous les médicaments qu'on a actuellement dans la cuisine. J'ai trouvé ça comme seul, en faisant un peu de off. Donc là, pour l'instant, on est bien. Niveau munitions et tout ça, c'est énorme ce qu'on a. Les armes. Ok, chargeur, ça d'accord. Donc ici, 34 boîtes. Après, en 5,56, on en a 29. Les autres, je m'en occupe pas trop pour l'instant. Après, tout ce qui est 9 mm et tout ça, c'est énorme aussi. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Tout ne rentrait pas ici. J'ai dû en mettre de l'autre côté. Donc j'ai mis ça ici en attendant. Voilà, là-dedans. Ici, on a du 9 mm. Que ce soit munitions ou armes, encore. 9 mm ou 45 ACP aussi. Ici, fusil à pompe. Il y en a 7. Ils sont en bon état, sauf un qu'on s'est servi. Deux cartouches seulement. Là, c'est le 5,56. 29 boîtes encore. Et notre M16 qu'on a trouvé. Donc là, on est bien. J'avais regardé. Ouais, l'état, il est pas mal. Il est pas mal. Vu le niveau qu'on a actuellement, je pense qu'on devrait pas trop tarder à s'en servir. Ça pourrait être sympa. De faire une petite excursion. Pardon, je vais y arriver. De faire une petite excursion avec. Et là, c'est du 308 et 223. Donc, il y a ce qu'il faut encore. À voir, je sais pas vraiment comment je vais faire. Je pense agrandir le. Soit agrandir l'armurerie. Ou soit tout simplement reprendre des caisses militaires. Là, elle est stockée les unes sur les autres comme ça. Après, il y a tout ce retour-là à faire, donc je me dis que ça peut être faisable. Voilà, donc j'ai farmé un petit peu de bois. Pas beaucoup. J'ai rangé, j'ai vidé tout le MV. Donc là, jusque-là, ça va. Ici, ça, on n'y touche pas pour l'instant. J'ai récupéré un véhicule quand j'ai récupéré du carrelage. Et je me dis qu'avec celui-ci, j'irai chercher le Humvee blanc qu'on avait vu avec le coffre de toit. Ou alors j'irai juste chercher le coffre de toit, on verra. Ça, je le ferai en off. Et le bois est juste ici. Il y a 8 fois 4 bûches, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Ça devrait le faire. Allez, prends-moi tout ça. Ça commence à s'ennuyer là, ça fait 2 jours que je le passe à l'intérieur. On est le 31 octobre. Maman, le grand froid arrive et il va falloir qu'on prenne du bois aussi. Il va falloir qu'on prenne du bois. Allez, délie-moi ça. Tournevis, tu peux me le remettre là après. Les cordes aussi. Hop, les bûches, tu vas les débiter. Voilà, la dernière. Et niveau planche, on en a pas tant que ça. On en a 13 ici. Là, on en a pas. On en a 36 ici. Ça va. Au pire des cas, s'il faut refaire un tour, je referai un tour. Hop là. Ça, c'est chargé. Ça, c'est chargé. Très bien. Par contre, je me suis chargé. C'est bête. C'est totalement bête parce que je me suis chargé avant de détruire le mur. Me demandez pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas. Alors, équipe-moi ça demain. Et puis, tu vas me détruire ça. Allez, en avant, Micheline. Escalier aussi, on a dit qu'on le détruirait. Mais pas maintenant. Vite. Alors, elle monte tout en haut pour péter le mur. Et pour celui-ci, elle va faire comment? Elle va redescendre. Elle va redescendre.
Le quartier est relativement calme maintenant. On est tranquille. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, déjà, on va pouvoir commencer à faire le mur. Parce que j'ai pas confiance. Je sens qu'on va tomber. Je connais la loustique. Allez, une dernière. Hop. Je me pose la masse par terre maintenant. Et les clous. J'avais pas préparé de boîte de clous. Vite. Allons chercher. Il y a ce qu'il faut. On est énormément ici, puis il y en a encore en bas, donc ça c'est pas un problème. Hop, hop, tu vas même prendre ça, voilà. Construire mur, fondation de mur. Allez, redescends Martine. Hop là, il y a aussi encore du bois, pourquoi tu veux plus? D'accord, parce que, hop là, on récupère au sol. Ok. Ok. Tu pourrais me le dire. Si je vais pas te manger. Là. Alors, construire mur, fondation. Voilà, ça c'est cool quand ça se passe comme ça. Il y a plus de planches encore. Récupère ici. On a soif. Le sac il se remplit tellement vite. Bah après j'ai tellement de fumier dedans. Là, tu peux me laisser par terre pour l'instant. Le pied de biche aussi. Les lances aussi, le temps de faire les travaux. Il n'y en a pas besoin. Je t'ai demandé le pied de biche par terre, les lances par terre. Voilà, comme ça, tu peux peut-être reprendre une ou deux planches. Deux, c'est très bien. Niveau 3. Voilà. On a soif. On va aller boire. On va aller boire. Allez, remplis ton vapeau aussi. Voilà. Après, faut détruire là-bas. Faut détruire ici. Ok, l'escalier, il fait un truc crado. Là, faudrait qu'on fasse au pire. Alors, dans l'idéal serait une corde de drap au pire là dans le coin. Comment on peut le faire sans trop que ça nous gêne? Comment on pourrait faire sans trop que ça nous gêne? Si on fait dans le coin. On fait dans le coin, après on peut monter. Donc ça c'est bon. Et normalement, je peux en mettre un de toute façon. Ah, c'est pas dit. Sol en bois. Non. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Faut qu'on trouve une autre solution pour l'instant. Ah, mince. Je voulais détruire ce mur-là, mais c'est pas possible. Ce sol ici. Comme ça, on aurait mis la corde de drap juste là. Mais j'ai peur que ça. Bah, de toute façon, non. Parce que ça va nous bloquer avec ça. Après, ce qu'on peut faire, sinon, c'est en mettre une dans le coin là-bas. Là, on serait en. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, on serait ici. On peut la mettre ici. On peut la mettre ici, hein, de toute façon. Hop là.
Hop là, construire maintenant. Clôture. Clôture en bois. On va la mettre là. Pum, 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 pum. Et j'allais me tromper encore. J'allais me tromper. C'est pas là qu'il faut faire. Sol en bois. Fais-moi un sol en bois ici. Et tu vas détruire ici. Voilà, on va y arriver, hein. De toute façon, là, le sol, c'est pas grave, je vais le refaire. Et tout ce qu'il y a en extérieur, on va le stocker ici après. Voilà, ici, on va faire la petite corde de drap. Hop, et on pourra monter et descendre ici. Voilà, maintenant, tout ça, on peut détruire. Chope-moi l'escalier, voilà. Hop, la rambarde. Ici. Ensuite, celle-ci. Après, on a d'autres morceaux là-haut. On va boucher là-haut tout de suite. J'ai l'impression qu'elle comprend pas trop ce que je lui demande. Voilà, ici on va boucher. Alors déjà détruire les trois morceaux de rambarde. Reboucher. Ici protéger. Alors un petit sol en bois ici. Voilà, je sais pas vraiment ce qu'on va mettre comme sol ici, peut-être un sol clair. Un sol beige. J'ai cherché un sol beige. De base, je voulais mettre un sol beige en dessous, mais j'en ai pas trouvé. Donc ça, on verra par la suite. Clôture en bois. Hop, tu me mets ça là. On a pris un point, menuiserie, parfait. On a 8. On pourra lire le livre. Voilà, donc ici, c'est entièrement sécurisé. On peut monter et descendre sans se faire de bobo. Ça, on va le laisser comme ça pour l'instant parce que je ne sais pas. J'ai beau réfléchir, je ne sais pas encore vraiment où le mettre. Je pensais comme là, dans un coin, un truc comme ça pour l'instant, mais je ne sais pas encore. Ici, on va mettre un mur. Juste parce que j'ai envie de mettre un mur. Il n'y a pas de raison particulière. Allez, prends-moi tout ça. On va se mettre une petite porte, construire. Hop. Histoire de différencier aussi pour le sol. Non, la porte, on va la mettre par là. Comme ça. Pardon. Hop, ici, niveau 3. Niveau planche, il en reste 2. Je crois qu'il en faut 4 pour faire une porte. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et on en a que 3. C'est pas grave. On va les poser ici. Hop. Hop. Voilà. La masse, on la prend à deux mains tout de suite. On va détruire ça. Je vais aller rechercher des planches. On va faire ce mur-là. Après, on va pouvoir enduire tout ça. Alors elle a sacrément faim, tu vas me manger ça. Après, est-ce qu'on avait... Ah d'accord, ça commence déjà à pourrir. On avait un bol sur nous, je crois. Non, on avait tout posé, vite. Ça serait dommage que ça pourrisse aussi, ça. Tintin. Tintin. Alors, de bœuf au hasard, pourquoi tu as du bœuf? Alors, mets des carottes. Ah bah oui, c'est ça. Bah écoute, tu vas en mettre dedans aussi. La conserve. Après, de la tomate.
Ensuite, de la pomme de terre. Du brocoli. Voilà, tu vas manger tout ça. 80 kilos, on perd un peu de poids. Niveau stats, on est pas mal. Ça monte doucement. Doucement, mais sûrement. Tu vas vite refaire une salade tout de suite de conserve. Ensuite, de la carotte, de la tomate, de la pomme de terre. Mais il reste de bœuf, pendant qu'on y est. Et puis c'est tout. Parfait. Hop. Donc ça, on va le garder quand on aura un petit creux. Elle s'ennuie beaucoup, mais elle s'ennuie très très vite. Elle s'ennuie très très vite. Là, les lumières ne fonctionnent plus. On va aller changer les ampoules aussi. On va lire un petit journal. Il va certainement falloir en lire un deuxième. Oui, c'est bien ce qui me semblait. On va lire un livre. Voilà, fumer une cigarette. On va aller se coucher de bonne heure aujourd'hui pour être en forme pour demain. Alors, fume ta petite cigarette. On pourra refaire les portes aussi. Elles seront bien plus jolies. Mais là, en attendant, on fait un gros dodo. Ok, un gros petit dodo. 2h du matin. Je regardais. Non, pas fermer la fenêtre, ferme le rideau. Hop. Je ne sais pas quand peuvent tomber les premières neiges, honnêtement. Alors j'ai fait énormément de parties, mais jamais. Jamais jusqu'à la neige. Chaque fois que j'en ai vu ou qu'il y en a eu, c'est quand j'ai fait un départ. Dans les temps de neige, simplement. Allez, tu peux monter les trois là. Après, niveau bûche, il n'y en a pas tant que ça. J'aurais peut-être pu en prévoir un peu plus que ça. Allez, tu vas les débiter ici. Les délier, les quatre. Voilà, et puis on débite tout. Et la petite dernière, c'est ultra rapide. La petite dernière. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va les enlever pour l'instant. Les cordes, on peut les enlever aussi. Là aussi, je rangerai tout ça. Ça, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Les clous, on va les ouvrir. On va en avoir besoin bientôt. Voilà. La petite masse. À demain. À demain. Mais aujourd'hui... Non, c'était pas drôle. Je me sentais obligé de le faire. Des ampoules, elles sont ici. On en a que deux. Super. Faut qu'on en récupère plein des ampoules. Hein. À chaque fois, faut... D'accord, il y a un mur ici, c'est vrai. Ajouter une ampoule. Voilà, un petit peu de lumière. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ça, pour l'instant, je mets ça par terre. Sauf ça, je prends. Ça, je mets ça par terre. Sauf le carrelage, le carrelage. Je ne sais pas si on va pouvoir le jeter, je crois. Normalement, on peut le jeter. Oui. Et on supprime. Au revoir. Ciao, ciao. La prochaine. Alors, détruire. Normalement, on va pouvoir ici aussi. S'il te plaît, Maud. Voilà. Impeccable. Ici, est-ce que tu peux détruire derrière ou on est obligé de défaire l'étagère? On est obligé de défaire l'étagère.
pas grave. Détruire. On a gardé les deux planches, ouais, c'est bon. De toute façon, il n'y a pas de risque de casse, je crois. Là-dessus. La bibliothèque, il va falloir qu'on l'enlève aussi. C'est presque sûr. Et non. Nickel. Ok, donc les murs ici sont détruits. On récupère tout de suite du bois. Vite. À vitesse grand V. Ici aussi. On va construire mur fondation ici. J'aurais dû lire le livre aussi. Après, je me dis, est-ce que ça va vraiment être utile? Oui. Oui, c'est utile. Mais seulement pour 5 ou 6 murs, je ne pense pas vraiment. Là, j'ai vraiment envie de le faire tout de suite, que ce soit fini. Qu'elle se dépêche. Je crois qu'on va pas pouvoir ici. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il allait y avoir embrouille. On va se faire une fenêtre ici. Hop, comme ça on mettra une corde de drap. On pourra même choper une fenêtre ailleurs. Voilà, ici on ne peut pas. Tu m'enquiquines. Tu sais ça? Je vais devoir défaire pour refaire là. M'embête la Josette. Oh Josette. Mets-moi ça là pour l'instant. Mange un petit chewing-gum, tu l'as mérité. Toujours en perte de poids. Tu m'enquiquines. Allez, enlève. Retire la corde. Démonter objet démontable. Qu'est-ce que tu me fais? On va faire comme ça, on n'a pas le choix. Et puis on va refaire. Normalement, salle en bois, on ne peut pas le faire. Construire. Salle en bois. Ah si, on peut. Ok, j'ai rien dit, pardon. Veuillez m'excuser. Et maintenant, on peut faire le mur. Fondation de mur, ici. Voilà, on peut même fermer. Ici, on peut démonter le sol. Ça évite de détruire. Clou, on récupère les planches. Allons-y. En avant, guingant. Et puis, bah là, on avait vu que de toute façon, c'était la meilleure place pour l'instant. Donc, on va le remettre exactement à la même place. Construire clôture. Clôture en bois. Voilà. Et l'autre juste ici. On remet une corde de drap. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Par contre, la bibliothèque, là, ici, elle est un peu buggée. On va la prendre, elle. Et comme j'avais dit, les bibliothèques, on va les mettre ici. Donc, ce que je vais faire. On va faire tout prendre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on va pouvoir tout prendre. Donc c'est bon. Après, si elle casse, tant pis. Si elle casse pas, tant mieux. Non, mais si elle casse, il y a une bibliothèque à côté. On ira en chercher. C'est pas gênant, ça. Hop là, tout ça, tu mets ça par terre. Voilà, ça aussi. Là, pour l'instant, on est bien. Et tu peux me la récupérer. Oui. Risque de casse, 15 seulement. Donc, j'espère que ça va le faire. Impeccable. Impeccable. Tu me la mets là directement. Non, tu me la mets là. J'ai envie de la mettre là pour l'instant.
Ok, et on peut tout remettre dedans. Tout de suite. Menuiserie 5, on l'avait, donc ça c'est cool. Allez, dépêche-toi. Voilà. Niveau peinture et tout ça, je ne sais pas vraiment. Franchement, je ne sais pas lequel prendre. Seau de plâtre, tu vas me le prendre. Après, plâtre et tout ça, il y a ce qu'il faut en bas. On peut plâtrer. La poubelle, on va l'enlever aussi. Il n'y a rien à faire ici. On va jeter la poubelle dans la poubelle. Vous allez voir, ça se fait. Ça se fait, hein, normalement. Poubelle. Poubelle ronde, elle est là. À moins qu'on la garde, qu'on remette un petit peu de temps en temps, un petit peu à certains endroits. Comme là, ça ne gêne pas. Là, je me dis, si on a des trucs à acheter, on n'est pas obligé de revenir dans la cuisine à chaque fois. Le toit, c'est par là qu'on y accède maintenant. J'ai tout replanté aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est deux entiers de pommes de terre, tomates. Et ici, c'est du chou. Par contre, il est desséché. Il va falloir arroser tout ça. Et il est grand temps qu'il pleuve là, franchement. Moins 1 degré au 1er novembre. Waouh. Waouh. Allez, place-moi ça ici. J'arrose tout, parce que là, j'ai pas envie de perdre tout ça. J'arrose tout maintenant. Vite, arroser, arrosoir, sang. Il a assez d'eau. Allez, dépêche-toi. Voilà, le dernier est arrosé. Tout est arrosé au maximum. Alors, par contre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, comme à chaque fois. La bonne, bah, c'est que tout est arrosé, hein, ça c'est cool. Placé. Là, et normalement, j'en ai un autre ici. Où est-il? Ici. On va le placer là. Voilà. Donc, la bonne, c'est que tout est arrosé. Nickel. La mauvaise, c'est qu'on n'a plus d'eau. La mauvaise, c'est qu'on n'a plus d'eau. On a juste celui-ci où il nous reste. Ah non. Bah, il est sec aussi. Il est à sec. Donc là, il est grand temps de pleuvoir. Après, c'est pas grave. Si on a soif, il y a des bonbonnes d'eau un petit peu partout. Mais là, dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est que j'ai vu qu'on avait des sacs poubelles ici. On va se faire des récolteurs d'eau de pluie ici. J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant pour pas avoir à utiliser justement cette eau. Prends ça, vite. Prends un maximum. On va essayer d'en faire le maximum, quoi. On va essayer d'en faire au moins 4. 4, ce serait pas mal. Les températures ont bien chuté. Ça m'inquiète. Construire. Je cherche tout le temps. Je cherche tout le temps. Ah voilà, c'est dans meubles. Collecteur de pluie. On va mettre les grands comme ça. Et là, faudrait qu'on en mette. On va en mettre un ici. On va en mettre un ici et un ici. J'ai pas vraiment regardé ce que c'était. Il nous faut 4 planches comme l'autre. Il nous faut le même nombre de clous. Menuiserie, ok. Il n'y a que ça qui change, quoi. Ouais, donc vaut mieux faire des comme ça. Il va juste nous manquer des sacs poubelles. C'est pas gênant. Il y en a deux ici, trois, il nous en manque un. Ok, ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave du tout. Donc maintenant il peut pleuvoir. On est à sec là. On peut continuer de mapper, ça c'est pas un problème. On va juste en prendre un.
On a soif. Je crois que j'avais anticipé le truc et j'ai des bouteilles normalement. Hop, sac de plâtre, on va prendre les deux. On va en profiter de manger ça. On va en profiter de jeter tout ça au compost. J'ai mis de l'engrais aussi partout, là-haut. Sur la plupart des plantations. Non, c'est là qu'on monte. En espérant que ça nous donne beaucoup plus de légumes cette fois. Hop. Le compost, il n'y en a plus normalement. Voilà, 0,07. On avait 30 et quelques pourcents. Niveau carburant, on en est où là? 39%, ça va encore. Ça, il me dit rempli d'eau et pourtant ce n'est pas rempli d'eau. Elle est où ma bonbonne d'eau que je l'avais mise là? Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Elle a disparu, ma bonbonne. Remplir le seau. Voilà, puis on va voir avec un déjà ce qu'on peut faire. Préparer un seul plâtre. Hop, le plâtre-moi tout ça, ma petite. Va avoir une journée chargée. Ça, c'est moi qui vous le dis. Oh, tu peux pas me le faire là, vraiment. Il va falloir que je défasse ça. Encore. Tu m'en kikines, là, Josiane. Maintenant, tu peux? Non, tu ne peux pas. Faut construire un seul en bois encore. Mais tu vas pas pouvoir avec la corde. Si, tu peux avec la corde. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre ici avant de refaire ça. Parce que sinon, on va le faire à chaque fois. Alors, le seau, pour l'instant, ici. Le sac de plâtre, pour l'instant, ici. Ça, il n'y en a plus besoin parce qu'on est extrêmement lourd. L'ampoule, pour l'instant, il n'a pas besoin. Il va pouvoir fumer un petit peu. On va aller chercher de la peinture. Mais alors, laquelle? On va voir ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on a ici, ici? On a du jaune, on a du marron, on a du orange. Orange, allez. Ouais, orange. Pourquoi pas. Orange ou jaune. À la limite, ça change. Alors, j'ai vu la pompe à pneus. J'ai fait la pression des pneus sur le Humvee. Au moins, ça s'est fait. On va pas perdre une roue bêtement. Gris, noir, turquoise. Une autre jaune ou orange, ça serait pas mal. Le seau, on pourrait le mettre là-haut. On a énormément de plaques. Là, par contre, c'est bien ça. Mmh. Non. Violet, gris, marron clair, bleu clair.
vient de les voir déjà. Ah, jaune. Bon, bah, ça va être jaune. Ça va être jaune. Et une autre jaune, je l'ai pas prise. Mince, je pensais l'avoir prise. Elle est là, je crois. Allez, Delphine. Jaune. Voilà. De toute façon, je crois, de mémoire, un seul saut suffit. Je ne suis pas sûr. Le pinceau, il doit être là par terre. Voilà. Peinture jaune. Ça va être jaune. Hein. Ça passe encore. Pourquoi tu m'as fait ça? Je voulais que tu me fasses le mur. Tu m'en kikines, toi? Allez. Voilà. Eh, c'est beau, hein. Franchement, c'est beau, jaune, comme ça. J'aime bien le jaune. C'est comme le blouge. C'est pareil. J'aime bien. Est-ce qu'on peut lui refaire tout de suite construire la clôture en bois? Avant, on va défaire le sol, parce que sinon, on aura l'air con. Démonter le sol démontable. On va anticiper construire la clôture en bois. Avant, on va ramasser tout ça. La petite planche aussi. Voilà. Et ça, tu me le refais ici. Et bah, c'est que ça commence à être joli, tout ça. Étagère. Faut en prendre qu'une. Eh, Micheline, s'il te plaît. Mais y du tien, quoi. Vin, ça n'ira jamais. On va faire un par un. On n'a pas le choix. Hop. Oh, le mur. Faut faire une double porte ici. Hein. Parce que je vais me le prendre à chaque fois. Et là, on a dit, on va mettre ça. On va la mettre en plein devant la fenêtre. C'est très intelligent. Alors là, on avait dit 2. Ici. Voilà. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc là, il faut que je retrouve du sol. On va aller en chercher. Il nous en faut 1, 2, 3, 4. 4 et 3 fois 4, 12. Ça fait 16. Bah, c'est simple, en fait. Ouais, c'est ça. 16. 16, vu l'heure qu'il est, on peut y aller maintenant. Même si on est fatigué, c'est pas gênant. Le seau, on peut le laisser là. On récupère le pied de biche. Tita, 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 ta. Tout à tout à tout à tout. Dans la piscine, il y avait des ampoules. Tirer ampoule, ouais. Et ici qu'il n'y en a plus. Ajouter une ampoule. Voilà. Il fait plus clair, hein, c'est plus beau quand même comme ça. Normalement. J'avais tout vidé. On va vérifier. Ouais, ça, ça prend rien. On s'en fiche. Et dans le coffre, ok. C'est calme quand il n'y a plus de musique comme ça.
Hop, on ouvre ici. Tu vas sortir là, donc ça va te détendre, tu vas voir. Ah, faut qu'elle finisse son café. Allez, bois ton café, Martine. Mais non. Voilà. Et on y va. Alors c'est vraiment juste à côté, hein. Franchement, j'ai pas été loin. Voilà, c'est dans ce bâtiment-là. Il nous en faut 16. Est-ce qu'on n'aurait pas possibilité? Après, je mettrais bien là-haut ça. Ça fait comme la zone de stockage, mais on verra quoi, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez hop, c'est parti, on en prend 16. Voilà, on est censé, on en a 16. On est censé en avoir 16, mais on en a 16. Parfait, on peut rentrer et finir ça. Cet endroit, c'est l'endroit où, voilà, on avait fait un gros carton. Ici. Maintenant, c'est calme. Il n'y a plus personne. On est tranquille. Je viens de voir un truc, par contre. Hop. Tant qu'à faire, autant en profiter. Un sac poubelle. Il nous en manquait un seul. Comme ça, on va pouvoir faire un autre récolteur d'eau de pluie. Bonjour. C'est moi qui voilà. Le camion Spifou, faudrait qu'on s'en débarrasse aussi. Il nous manque une roue. Est-ce qu'on peut prendre les 16 d'un coup? Ça serait bien, non? Ouais, ça passe. Non, ça passe pas. Ah si. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Allez, pose tout ça avant de te blesser gravement, là, et de mourir bêtement. Ok, sors du sac, ça ira plus vite. Il manque plus que ces 6-là. Et puis cette pièce-là sera terminée, on n'aura plus qu'à la décorer et à vraiment en faire ce qu'on a envie d'y faire. Comme j'ai dit, hein, peut-être une sorte d'infirmerie, quelque chose comme ça. Genre là, peut-être fermé ici, peut-être, et ici. À voir. Ça peut être une solution. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, oh, c'est beau. Oh, c'est beau, moi, ça me plaît. Ouais, je pensais plutôt fermer ici. Là, vraiment collé à la porte. Ici. Et ici. On va essayer. On va essayer avec le peu de planches qu'on a.
Hop, sac poubelle pour l'instant, mets-le là. Pourquoi t'es surchargé à ce point-là? Alors, on a dit comme ça. Vais pas pouvoir tout faire. Mais au moins délimiter, hop, comme ça. Voilà, vraiment fermer là comme ça. Et puis là, faire la porte. Faire la porte, faire la porte, faire la porte. Soit ici. Soit ici. Ici, pourquoi pas. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On va faire le petit tri par terre en même temps, là. Tout ça, on va jeter. Tissu sale, on va jeter. Ça, on va jeter. Un jeté, pas forcément. On peut mettre ça dans le poêle. Ajouter du carburant, bois inutilisable, les trois. 38 heures. 38 heures et là maintenant 42 heures avec du bois inutilisable. Bah dis donc, faut pas le jeter. Faut le jeter, le bois inutilisable, ça monte bien. Il y a mieux, hein. J'en suis certain. Mais là, pour ça, ça vaut pas le coup de les jeter. Ok, là on est bon. Maintenant, on a la pénurie d'eau actuellement. On a des bouteilles d'eau ici. Donc ça va. On peut verser dans le vapeau. Il nous reste encore un peu. On peut le verser dans la tasse. Verser dans l'autre tasse blanche. Voilà, tu peux la mettre là maintenant. Parfait. Il va falloir qu'on se fasse une expédition. Boîte de conserve. Parce qu'on en a très peu. Franchement, on n'a que ça. On n'a rien du tout, quoi. Boîte de conserve, tout ce qui est... aliments non périssables. Et puis on regardera en même temps. Ça, ce mur-là, je vais attendre un peu. On regardera en même temps pour le. Comment dire, tout ce qui est. Il fait tout noir. Il fait tout noir. Il n'y a plus d'ampoule là. Il fait tout noir. Donc je disais, on regardera en même temps pour tout ce qui est télé, déco, de salle à manger. J'espère que ça fonctionne, ces ampoules-là. J'ai jamais essayé. Ah ouais, d'accord. Ça fait vert, quoi. Ça fait vraiment vert. D'accord. Bon, pas de problème, c'est pas grave. Là, il y aura une lumière. Là, il y aura une lumière. On va mettre vert dans l'infirmerie après. Est-ce qu'on peut d'ailleurs tout de suite, on devrait pouvoir retirer l'ampoule. Parce que là, ça cloche, hein, franchement. Ça, dans une salle à manger, ça fait plutôt... laboratoire, truc comme ça, quoi. Ajouter une ampoule normale. Un peu mieux. Il manque encore de l'éclairage là-dedans. Ajouter une ampoule verte. Oh, c'est beau. Oh, ça fait vert. Ça fait beau. Ça fait vert. Ça fait bien. Elle est fatiguée. On va aller la faire dormir. Mais avant, on va aller sortir de la nourriture. Une carotte, un brocoli. On va sortir un chou steil. On va sortir un oiseau, on va le faire cuire. Pommes de terre, tomates. Faisons cuire notre petit oiseau. En même temps, tout ça, de toute façon, tu peux mettre à décongeler.
Alors, on va assaisonner un petit truc bien sympa là, avec un petit oiseau. Un petit oiseau. Cuisine, 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 on a encore le boost d'XP, c'est la menuiserie qu'il faudrait qu'on lise. Et puis après, on est pas mal, avec la recherche aussi. La recherche, c'est pas mal, faudrait qu'on l'avance aussi. Faudrait qu'on l'avance aussi. Quelle est la décongélation? Dépêchez-vous, la décongélation. Alors, il est frais cru. Ok. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. La tomate aussi. Parfait. Alors, préparer une salade, on peut pas avec le oiseau. Comment on fait pour faire le oiseau? J'ai jamais fait ça, moi. Découper l'oiseau. Oh, c'est de la volaille. Non, pourquoi j'ai vu volaille? Pardon, j'ai rien dit. Par contre, faut la faire cuire. Elle est crue. Elle est crue. En même temps, ici, on peut mettre du chou. On peut mettre carottes. Tomates. Pommes de terre. Eau de javel. Non, je rigole. Et vas-y, cuit! Cuit, cuit! Et on devrait pouvoir l'ajouter maintenant. Gibier au hasard. De toute façon, ça peut être que ça. Petit oiseau. Et là, on va rajouter de l'huile végétale. Ça monte bien, ça, c'est bien. Brocoli, brocoli, j'en ai pas mis de brocoli. Ça va faire un plat. Du poivre. Et puis là, on est bien, on peut tout manger. Et ben là, elle s'est régalée. Elle s'est régalée. On peut refaire un petit gibier comme ça. Avec un petit peu de chou. Un peu de carottes. Un petit peu de tomates. Un petit peu de pommes de terre. Ensuite, on va y mettre un petit peu de poivre. Celui-là, il va être beaucoup moins consistant. L'huile, 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 j'ai mis déjà. Je crois que j'en ai mis. Non, j'en ai pas mis. J'en ai pas mis. Eh ben, on va en mettre. Huile végétale. Voilà. Et là, on est bien. On va pas mettre de l'eau de javel. L'eau de javel, j'ai récupéré pour nettoyer les taches de sang. Je l'ai mis normalement ici. Voilà, ici, j'en ai 5. Donc, ça va. Elle commence à s'ennuyer. Il est 23 h, on va pas lire, on va aller faire dodo. Et niveau poids, tu perds encore? Ben mange tout ça, mange. Cet hiver, elle va perdre beaucoup de poids par contre. Hein. Ouais, c'est même pas stabilisé, il faudrait qu'on mange encore un truc quoi. On n'a rien de gras. On n'a pas de gras. J'ai pas de lard, j'ai pas de trucs comme ça, donc ça va être compliqué cet hiver. Allez hop, dodo. Qu'elle se lève trop tard. 8 h 20, ça va? 8 h 20, c'est même très bien. J'avais vu qu'il y avait. Hop là, c'est ici. Il y avait un magasin, pas très loin de chez nous. Carrelage, étagère, nourriture, voilà, juste ici. On va aller voir ça. On va y aller à pied.
Hein, on va y aller à pied en petite balade et en espérant qu'il pleuve. Il fait 0 degré. La température extérieure est de 0 degré avec un temps humide. Légèrement mouillé. Puisque c'est humide, c'est légèrement mouillé. Ouais, je m'appelle Evelyne. Bref. Bref, passons. Il n'y a plus personne dans ce quartier. Il y a un petit récolteur là. On va le prendre, on va le sortir. Pas un récolteur, n'importe quoi, une fontaine, pardon. Je suis perché. Comme le chat. Mais pas la lessive, hein. Hein, je vous vois venir. Ici, je l'avais vidé. Ah, il y a un petit copain en bas là. Bonjour. Appareil photo démonté. Tu peux crier un petit peu moins fort s'il te plaît quand tu meurs toi. Ça serait sympa. Franchement, ça serait fort agréable. J'ai pas hâte de ne plus avoir d'essence dans les stations. Là, c'est une petite balade comme ça, digestive, pour digérer notre petit oiseau. Mais alors, j'ai pas du tout. Je n'ai pas hâte du tout. Est-ce que je pourrais caresser l'espoir? Non, toujours pas de pile. Le magasin de vêtements. De vêtements n'importe quoi. De nourriture. On y arrive. Je vais juste regarder où est-ce qu'il est. Je veux pas avancer trop loin. Bah il est juste ici. Et il est là. Là c'est un resto. Ouais c'est ça. Prochain coup, tu peux taper dans le vide si tu veux, mode. Franchement, il n'y aura aucun problème. Des allumettes. Il n'y aura aucun problème. Où est-ce qu'il est, lui? Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pressenti, celui-ci. J'ai pressenti qu'il allait vouloir me choper les chevilles. Tout ça, c'est pourri. Hein. À moins qu'il y ait des cornichons ou... Et encore. Il y a de quoi remplir le composteur. Eh ben vous savez quoi, on va se charger même en boîte de conserve. Hein. Oh. Toi, je t'ai pas entendu arriver, toi. Tout ça là-dedans. Il y a largement de quoi faire. Bah ça tu prends tout. Tu prends tout. Déjà. Prends tout. Carottes, pommes de terre, salade de fruits. Salade de fruits, joli, joli, joli. Les bonbons, on va tout prendre là, mais on va tout manger sur la route, là. Au chemin du retour. Vous allez voir, on va s'empiffrer les biscuits. Céréales, par contre, ça, je prends. Je suis en pleine prise de masse. Je me suis tâté à prendre une étagère comme ça aussi pour dans la cuisine, ranger tout ce qui est boîte de conserve et tout ça. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait.
Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un petit peu de céréales ou de choses comme ça? Ah, je crois que j'en ai passé un. Voilà. Un petit dernier et puis on y va. Beurre de cacahuète, c'est très bien ça aussi. Beurre de cacahuète, mange tout. Allez hop, on rentre. C'est bon, on a ce qu'il faut en nourriture. On reviendra. De toute façon, il y a largement ce qu'il faut. Bonbon, allez hop, mange. Aujourd'hui, c'est ta fête. Nous sommes le 2 novembre. Tu as le droit de manger plein de bonbons. Ne me dites pas que les bonbons ne font pas grossir. Ne font pas grossir, pardon. Chocolat. Les pâtes de fruits. Ah, bah quand même! Quand même! Bonjour! Maud? Enchanté. À toi, c'était. Je sais pas. T'as pas eu le temps de me répondre. Da-da-da-da. 7200, pratiquement bah, 7300. On est bientôt à 10 000. Plus que 2700. Et puis, on n'aura plus de panique à gérer. C'est bien. Ça avance. Nous avançons. On peut même récupérer la fontaine à eau. Quand on fera le deuxième tour, je pense. À moins que... Ouais, si, on peut la prendre. Hein. De toute façon, au cas où. On peut la prendre. Trop lourd pour l'inventaire. Eh, tu te fiches de moi, là? Mets-y un peu du tien, voyons donc. Ça pèse combien ton truc là? 30 kilos. Oh, c'était pas aussi lourd que ça avant. Avant, on le mettait dans le vide-poche de la voiture. Il va falloir qu'on aille chercher du carburant aussi. Bonjour mon chez moi, c'est ici, c'est chez moi. Faut que je mette une corde de drap ici aussi. Ça m'éviterait de faire tout ça. Ou alors là, de l'autre côté. De l'autre côté. On a des cordes, on va le faire tout de suite, pendant que j'y pense. Normalement, il n'en faut qu'une. Oh mais j'ai peut-être pas de clous. Alors attendez. J'ai des clous, donc ça veut dire qu'il en faut deux. Logique. Comme les cordes de drap. Deux par étage. Donc, ici, on va mettre tout ça. Là, on va mettre tout ça. Les biscuits aussi. Les bonbons aussi. Je vais décharger un petit peu. Les céréales, ça, les pâtes, le riz, le thé, le café, on va juste en garder deux. Ah ça c'est pourri, je l'ai ramassé pourri, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe s'il était déjà pourri. Mais pourquoi pas. Il est pourri, c'est qu'il l'était déjà. Il a pas pourri le temps de rentrer. Voyons. Allumette. On va ranger en même temps hein, parce que... Ça devient un bazar là-dedans. Ça, on le mettra là-haut. Et puis on est clean. Ok, là on est bien. Qu'est-ce qu'on avait ici? On a des oiseaux morts aussi encore, je crois. On en a 4 ici. Et c'est tout. Parfait. Je vais en profiter. Là, on va arrêter cette vidéo ici. Je vais en profiter pour lire ce livre-là. Et le livre de recherche. On va continuer d'avancer un peu la recherche. Je vais voir un petit peu la couture. Il y a certainement 2-3 petites retouches à faire sur mes vêtements.
Et puis, on va pas être trop trop mal. Ce que j'aimerais continuer, c'est la mécanique aussi. Je n'ai pas fait de mécanique sur le MV, donc j'aimerais bien en faire, continuer à l'améliorer. Il est à 61%, je crois, de mémoire, ou 58%, je ne sais plus, avec toutes les parties que j'ai en cours, comme je vous ai déjà dit. D'ailleurs, je vous rappelle que tous les samedis soirs, je suis en stream sur Project Zomboid, en coopération. Je commence le stream en solo à 19h30 et à 20h30, je passe en coopération avec Momo. Une partie full modée. N'hésitez pas à passer faire un petit coucou, ça fait extrêmement plaisir. On a pour objectif, j'ai mis des maps. On a pour objectif de prendre la map de l'île qui se trouve juste au-dessus de West Point. Hop, donc West Point est ici. Il y a trois ponts. Il y en a un ici et un tout en haut. On a pour objectif de monopoliser toute l'île, couper l'accès au pont. Et voilà, on sera ici chez nous. On est actuellement en train de prendre l'île. Je vous dis ça, mais la vidéo sort logiquement lundi. On aura déjà fait le stream. On aura peut-être déjà pris l'île. Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais je ne sais pas. N'hésitez pas à passer. Voilà, c'était Devil. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.